Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbawiyat مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي ندير معكم لاكتيفيتي دو لا كونجوغيزون بور لو نيفو 5 اني دو لونسينيومون بريمير. دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة المرحلة الرابعة الدورة الثانية الموسم الدراسي 2020-2021 بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي درنا مجموعة من الفروض غادي تلقاو لي ليان ديالهم في الديسكريبسيون اللي مازال ما تفرج لهمش وتفرج لهم بتأني إن شاء الله غادي يفهم الفروض ويفهم الدرس. بالنسبة للتلاميذ اللي كيطالبوني دائما باللين ديال الفرد PDF اللي ملقاش اللين ديالو في الديسكريبسيون يعطيني النيميرو ديالو ديال الواتساب في الكومنتير وغادي ندوز له جميع الفروض إن شاء الله. صافي دونك مرحبا بكم. Donc, comme je vous l'ai dit, nous allons faire l'activité de la conjugaison pour le niveau 5e année de l'enseignement primaire. Je vous ai dit que nous allons faire l'activité ici. C'est simple, juste pour que vous puissiez vous concentrer avec moi. Donc, essayez de vous concentrer avec moi. Nous allons faire le numéro 1. Donc, conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc, les verbes qui sont dans le numéro 5, je vous l'ai dit, nous allons faire conjugue les verbes entre parenthèses. C'est-à-dire, les verbes qui sont bien accompagnés, fait le présent de l'indicatif, au présent de l'indicatif. Ici, le verbe prendre, troisième groupe, dire, troisième groupe, attendre, c'est troisième groupe aussi. Répondre, troisième groupe. Dormir aussi. Aller, c'est troisième groupe. Donc, head. L'exercice va être la conjugaison des verbes du troisième groupe en présent de l'indicatif. C'est vrai? En présent de l'indicatif. C'est bien. Donc le verbe prendre avec il du pluriel. Donc le verbe prendre c'est il. Ils prennent comme ça, avec ENT à la fin. Ils prennent la route. Ils, la troisième personne du pluriel masculin. Donc, Sarah, le verbe dire, la vérité. Donc, le verbe dire, Sarah dit. Avec S, dit. Sarah, c'est la troisième personne du singulier. Ça fait? Sarah dit la vérité. La troisième phrase, tu, le verbe attendre le train. Tu attendre le train. Tu attends. Comme ça, avec DS à la fin. Donc, tu, c'est la deuxième personne du singulier. Donc, tu attends le train. Le verbe répondre. Répondre. Je réponds. Avec DS aussi. Je réponds aux questions. Je réponds aux questions. D'accord? C'est bien. Il, le verbe dormir. Dans mon lit. Il, le verbe dormir dans mon lit. Il, c'est la troisième personne du singulier. Avec le verbe dormir, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, il dort. Il dort, comme ça. Il dort dans mon lit. Donc, Naya, la dernière phrase. Hamza allait au zoo. Hamza allait au zoo. Hamza, le verbe aller au zoo. Donc, Hamza, c'est troisième personne du pluriel, donc c'est il. Troisième personne du singulier, pardon, c'est il. Allez, donc il va au zoo, d'accord? Je vais, tu vas, il va, d'accord? C'est ça le verbe aller au présent de l'indicatif. Nous avons maintenant la deuxième question. La deuxième question est la suivante. Regardez, je, le verbe, donc vais. C'est le verbe aller, c'est le verbe savoir. À la campagne. Je vais à la campagne. Yes, d'accord. Donc, je vais voir la forme qui est par la forme qui convient dans ces phrases. Il y en a quatre phrases. Je vais ou bien je sais à la campagne. C'est je vais à la campagne. La deuxième phrase, nous, est-ce que nous prenons ou bien ne prenons? Donc, prenons, je dit il y a l'isme dialek. Donc, les sahiha, il y a prénom. Ça fait, c'est prénom. Le train. Donc, il y a, comme ça, c'est l'isme. L'isme. Ça fait.
Le train de 10 heures. Est-ce que tu dis ou bien tu dis? Donc, on a wahdar satkomb s. Wahdar satkomb s. Ça va? Tu dis que ton quartier est propre. Et on a le verbe dire qui est dit. Ça va? On a je. On a tu. On a il. Et du singulier. Donc, tu dis. Satkomb s. C'est bien. Nous venons ou bien venez. Donc, venons. Ketchufo-A-N-S. Donc, venez. Ça te compte. Vous venez. Comme ça, avec E-Z. Derrière. D'accord? C'est bien. Quand on nous saline, la question de la question est les verbes du troisième groupe. Au présent de l'indicatif. Présent de l'indicatif. Ça fait? Au présent de l'indicatif. Debendouzo, autre question. Adnanaya. C'est la troisième question reliée par une flèche. Yani, Adarvot. Je, Sarah, les filles. Donc, les pronoms. L'indéfini, le verbe, suit, ramasse. Donc, Adoumem Sarfim. Adoumem Sarfim fait le présent de l'indicatif. Présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif. Donc, au présent de l'indicatif. Et donc, finir, c'est le verbe finir. Fini, c'est le verbe finir. Ça fait. Suit, c'est le verbe être. Ramasse, c'est le verbe ramasser. Il y a le premier groupe, il y a le deuxième groupe, il y a le troisième groupe. Auxiliaire. Je suis très fier. Je suis très fier de mon pays. Ça fait, je suis très fier de mon pays. Sarah finit. Sarah finit le verbe finir. Donc, fini avec S, fini avec S, fini avec T. Ça fait, donc Sarah finit. Et les filles ramassent. Les filles ramassent. Ramassent les coquillages. Ça fait, ramassent les coquillages. La question est là, quand tu as l'air, le présent. Donc, هادشي اللي كان عندي في هاد لا فيديو. كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناة تربوية مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. هادشي اللي كان عندي في هاد لا فيديو. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.